Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Chapitre 5, le verset 28. Actes, chapitre 5, et le verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Nous allons frapper à toutes portes. Vous allez prêcher à tout le monde. Nous allons remplir toutes les rues de cette nation avec la parole de Dieu, avec la parole du salut au nom de Jésus. Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, de votre enseignement. Vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Regardez-moi ici. Pierre, Jean, Jacques, Matthieu et le reste de ces douze disciples et les autres, Pierre, Steve, Étienne et les autres, Philippe, ils prêchaient la parole. Ils parlaient aux gens. Ils disaient, c'est vous qui avez tué le Seigneur. Vous avez fait le mal. Mais vous savez, le reste de l'Église, ils n'étaient pas aussi peureux. Et ils étaient de se couvrir, de se taire, de dire, ah, c'est eux qui disaient, ah, c'est les apôtres, laissez-les parler. Regardez les prédicateurs. Ah, ça, c'est nos dirigeants. Hein. Regardez comment ils sont de parler. Regardez comment ils sont d'accuser les gens, en train de détester les gens. Mais si ces gens se levaient sous nous et commençaient par nous battre, voyez aujourd'hui, il y a tellement de peur, tellement de crainte dans l'Église. Je ne parle pas de cette Église seulement, hein, mais généralement, dans toutes les Églises, les gens ont peur. Ils ne peuvent plus se lever dans les coins des rues et parler au peuple. Ils vont dire, ils ont peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut être attention, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler à haute voix. En de temps pareil, il ne faut pas parler comme ça, aller partout avec la Bible. Hey, il faut attendre. Il faut refroidir un peu. C'est les choses qui arrivent. Ou bien, n'as-tu pas entendu, ne lis-tu pas les journaux? Il faut être sage. Il faut ouvrir. Il ne faut pas ouvrir la bouche comme ça. Et lis toutes les paroles de la Bible. Et il faut laisser ce verset. Laisser ce verset. Si tu lis tout, il y a la peur, il y a les choses là-bas. Hein. Tu ne sais pas qui est là. Et on ne peut pas savoir qui est là. Et ils sont en train de te regarder. Et c'est toi qui es leur cible. Ils vont t'avoir. Il faut te taire. Ils n'ont pas seulement peur. Ils veulent que le Pierre ait peur. Ils veulent que Jean ait peur. Tout esprit de peur. Je les casse. Et je les prie de la vie de tout le monde au nom de Jésus. Il les a. Et on les a appelés. On les a avertis. Et on a dit, venez ici. Ne vous avons-nous pas expressément, ouvertement, interdit de ne plus jamais enseigner en ce nom-là? Mais voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pasteur, je vais vous déranger un peu, hein. J'ai entendu que vous essayez de planifier la croisade. Vous voulez encore aller ici, aller là-bas. Hey, pasteur, nous t'aimons, hein? Nous t'apprécions. Et nous voulons que tu vives longtemps avec nous. Mais, tu sais, pasteur, ça ne serait pas le temps, pasteur. Ce n'est pas le moment d'aller là-bas, d'aller ici. Il faut rester à Bagada. Nous voulons te voir ici avec nous au siège. Si quelque chose va arriver, nous voulons, si tu veux multiplier les réunions, appelle-nous tous les jours, mais ne sors pas, pasteur. Reste dans ta maison, là où tu es, reste là, que personne ne connaisse, mais dans ta maison. Et viens ici, nous allons t'écouter, après cela, retourne encore dans ta maison. Et point final, le Seigneur nous appelle, nous allons encore venir. Mais s'il te plaît, pasteur, ne planifie plus les programmes en dehors de l'église. Pasteur, as-tu entendu? Je n'ai pas entendu. Il faut parler encore fort. Nous irons. Nous allons prêcher. Nous allons annoncer l'évangile. Nous allons élever Jésus-Christ. Si le peuple du monde peut protéger le messager, Dieu au ciel va protéger ses messagers. Regardez le verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là?
Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelqu'un n'a qu'à le dire, amen là-bas, amen. La grande commission sera accomplie. La parole du Seigneur sera prêchée. Les âmes viendront dans le royaume. Alors Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Que, dites-moi ce qui suit, répétez-moi ça à votre voix, que vous avez tué en le pendant au bois. Exactement ce qu'il leur avait dit, ils n'ont pas dit, ne dites pas ça. Mais ils ont dit encore cela, vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous? Que vous avez tué et cloué à la croix. C'est lui que Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à l'Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins. Vous serez des témoins. Et de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent des exploits. Nous allons en faire. Vous ferez des exploits. Une nouvelle puissance descendra sur vous. Une nouvelle force descendra sur vous. L'onction de l'Esprit de Dieu sera multipliée sur votre vie. Des exploits dans la prédication, dans l'enseignement. Des exploits dans le témoignage et dans le fait de réveiller ceux qui dorment. Des exploits dans le salut des âmes et la guérison des malades. Des exploits dans le chasser des démons et de surmonter les forteresses. Les forteresses de votre communauté, vous allez les renverser. Des exploits dans le fait de courir après les âmes et d'endurer avec courage et amenant les âmes dans le royaume. Je fais partie de ce nombre. Je dis, je fais partie de ce nombre. Je dis, je fais partie de ce nombre. Vous ferez partie de ce nombre au nom de Jésus. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel 11, verset 32. Il séduira pas les flatteries, les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Quelqu'un là-bas connaît-il son Dieu ce soir? Le peuple qui connaîtra ceux qui connaît son Dieu, le Dieu qui ne peut pas échouer, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui garde l'Alliance, le peuple qui connaît son Dieu, il agira avec fermeté. Il agira avec fermeté. Il agira avec fermeté. Toute faiblesse de votre vie qui reste encore, vous allez le secouer ce jour. Vous allez le secouer ce jour. Quelle que soit la timidité qui est encore attachée à votre vie, vous allez le secouer aujourd'hui et vous serez fort. Mon frère, tu seras fort. Ma soeur, tu seras forte. Vous ferez des exploits. Je ferai des exploits. Nous ferons des exploits ensemble. Toutes les faiblesses sont parties. Toutes les faiblesses sont parties. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveille-toi et mets ton séant. Mets ton habit de fête, Jérusalem. La ville sainte a désormais. Il n'y aurait plus au milieu de toi des incirconcis et les impurs. Et la plante, toute plante que n'a pas planté le ciel ou le Père Céleste dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée, dans ton cerveau, dans ta famille, toute plante non plantée par le Père dans ton ministère, dans ton foyer, toutes ces plantes seront déracinées. Ésaïe 52, verset 2. Ésaïe 52, verset 2. Il dit, réveille-toi, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem,
détache tes liens, les liens de ton cou, captive fille, fille de Sion. Assez de la vie d'impuissance, lassée de la timidité, secoue toutes ces choses, lève-toi maintenant et secoue ces choses de ta vie. Et lève-toi et va faire des exploits pour le Seigneur dans ta localité, dans ta communauté, dans ton église locale, dans ta commune, n'importe où. D'où viens-tu? Va là-bas et manifeste la puissance qui va faire des exploits. Va le faire au nom de Jésus. Levez-vous maintenant, non? Levez-vous. Je dis, lève-toi, tout le monde, levez-vous maintenant. Mettez-vous sur vos pieds. Alors, levez-vous maintenant et demandez maintenant le Saint-Esprit. Secoue-toi maintenant. Demande le baptême. Sion, mets ton habit de fête. Mets ton habit de fête, Jérusalem, la ville sainte. Il faut te revêtir des habits de fête, que l'impureté ne soit plus là. Et qu'il n'entre pas chez toi les circoncis ni l'impur. Secoue-toi de la poussière et fais sortir de toi tout ce qui t'empêche d'aller le faire de l'exploit. Va maintenant et débarrasse-toi de tout ce qui te liait auparavant au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière aujourd'hui. Prie et parle à Dieu dans la prière maintenant. Et demande à Dieu la puissance d'en haut est venue. L'autorité est venue et la puissance, la capacité divine est là. Ouvre la bouche et parle à Dieu maintenant. Dieu ne peut pas échouer. Sa puissance ne peut pas échouer. Jésus-Christ, il est le seul. Il a dit, il a promis, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit se verra sur vous et vous serez mes témoins. Voici le jour. Voici le moment. Que l'Esprit de Dieu va descendre encore sur votre vie. L'Esprit de Dieu va descendre. La puissance va descendre. L'onction va descendre. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu maintenant. Secoue-toi de la poussière. Et toutes ces choses qui te malmenaient, les choses qui pesaient sur toi par avant, les choses qui te retardaient, les choses qui te frappaient et qui te retournaient les pieds, les choses qui te donnaient la faiblesse, qui te disaient pour pas aller de l'avant. Voici le corps. Secoue-toi maintenant. Dis à Dieu, oh Seigneur, me voici maintenant. L'onction maintenant. Une nouvelle onction. Une nouvelle puissance sur ma vie maintenant. Ça va venir. Ça va venir dans ta vie. Et toi, tu reçois la puissance. Es-tu sauvé? Es-tu sûr que tu es sauvé? Tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que Jésus est le Fils de Dieu? Es-tu libre de tes péchés? Es-tu sanctifié? Es-tu encore faible? Tu es soumis au Seigneur, mais malgré ça, tu es faible. Il t'a sélectionné, choisi, mais tu es faible. Dis à Dieu, oh Seigneur, toutes ces faiblesses de ma vie, je ne veux plus. Je ne veux plus les faiblesses. Que les faiblesses disparaissent de ma vie. Et secoue-toi, mon frère, secoue-toi. Secoue-toi de la poussière. Secoue-toi de la poussière. Et dis à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie. Il va te baptiser. Tu étais baptisé auparavant, une nouvelle onction pour toi. Tu avais la puissance auparavant, une nouvelle onction. Une nouvelle énergie va venir. Tu étais indécis auparavant, une autre énergie. Dis à Dieu. Regarde la faiblesse dans ma vie. Regarde la timidité. Regarde l'impuissance. Parle à Dieu. Que toutes ces faiblesses et cette timidité disparaissent. Que toutes ces choses soient complètement poussiées. Que toutes ces choses disparaissent. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup à faire. Laisse-le venir. La puissance d'en haut, laisse-la venir. L'autorité d'en haut, laisse-la venir. La capacité céleste, laisse-la venir. L'énergie, c'est l'énergie spirituelle, laisse-la venir. Et le revêtement, laisse-le venir. Le revêtement, laisse-le venir. Tu l'as entendu pour longtemps maintenant. Laisse tout sur le terre. Et dis à Dieu, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui doit être mon jour. Aujourd'hui doit être mon jour. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Mais il faut que tu pries. Mais tu dois rester là. Tu dois attendre.
jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Tu as besoin de lui. La lumière. Tu as besoin de la lumière. La sagesse, tu en as besoin. L'onction, tu en as besoin. La puissance, tu en as besoin. Qu'ils viennent. Les apôtres étaient remplis, remplis et remplis et remplis encore. Ce n'est pas le moment de sortir et d'aller aux toilettes. Non. Restez sur place. Priez et recevez la puissance de cette dans votre vie. Soyez sérieux.